Yo tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Loserty sur Clash Royale. Et aujourd'hui les gars, vidéo découverte, parce que aujourd'hui on part en terre inconnue, découverte tout simplement de la cage Goblin évoluée. Et alors là, une spécialité de la maison, 100% transparent, j'ai vu des clips. Voilà, j'ai vu des clips, mais les gars, ayez le bon soupçon, voilà. Pourquoi tout ceci ne serait-il pas que mensonge, ne serait-il pas que montage? Voilà, peut-être que ces clips étaient faux. Voilà, alors là, je les connais bien, Supercell, sortir une carte directement trop cheat, c'est pas leur genre. Voilà, c'est pas leur genre, donc on part directement tester la nouvelle carte. C'est parti, et ça là. Les gars, ça, j'en parlerai même pas. Voilà, ça, j'en parlerai même pas. Non, parce que voilà... avec le temps, j'ai su acter que Supercell menait... Oh là 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 là, nouvelle carte directement, masterclass. Je vous avoue, j'ai vu attendez, que je remette les idées en place. J'ai vu un clip. J'ai vu un seul clip, mais il m'a choc barre direct. Je me suis dit, c'est une dinguerie. Après, on ne sait pas. On sait pas, peut-être j'ai rien compris à la carte, donc voilà, directement, je me permets de me la cycler, voilà, dans le plus grand des calmes. Mais je reviens à mon premier propos. Les gars, je savais, j'avais acté, nous avions, alors là, et avec le témoignage de beaucoup d'acteurs de ce jeu, parfois même, et alors là, bon, après, vu le nombre de cartes que je critique, il y en a peut-être qui témoigneraient contre moi. Voilà, ça, je vous la fais pas à l'envers. Les gars, il y en a aussi qui témoigneraient avec moi parce qu'il y a quand même des interactions louches. Ça, je pense que personne ne peut le contredire, c'est une certitude. Mais les gars, je savais... Mais quoi? Ok, ça va. C'est moi où il y a un micro-timing où ils sortent du bush et du coup, ils sont genre invincibles. Je l'avais pas, celle-là. Bon, on me dira un autre... Le mec n'a pas défendu ma cage Goblin, il a mis autant avec son bourreau. Mais bon, on ne dira rien, les gars. On ne communiquera pas sur ça. Mais bref, je disais, Supercell a acté quelque part un complot contre moi. Mais là, je commence à avoir des doutes sur vous. Et là, voilà, c'est avec la plus grande franchise. Les gars, on m'a dit oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu stockes ton or, nanani, nanana, dépense. J'ai dit ok. Hein? Voilà, ça, c'est ça. Là, ça ne nous regarde pas ce qui se passe dans cette cage. Franchement, les gars, pour l'instant, ça confirme pas mes soupçons. Là, ok. Là, en vrai, du clip que j'avais vu, c'était plus choquant. Alors, peut-être que je l'ai joué de manière horrible. Ça n'engage que moi. Mais bref, mais les gars, vous me dites, oui, nanana, pourquoi tu stockes 1 million d'or? Gars... Voilà, il vaut mieux prévenir que guérir. Maintenant, je suis là. Je suis en train de budgéter. Les gars, je suis en train de budgéter mon or comme si je partais sur un plan d'investissement. Les gars, c'est pas normal. Je pense même pas que je vais avoir le coffre. J'avais 1 million. Je savais, les gars, j'avais eu le nez creux. J'aurais dû les garder, cet or. Mais bon, les gars, pour cette fois, je passe l'éponge. Voilà, ça c'est une certitude. Mais bref, en tout cas, je ne sais pas si vous allez avoir les récompenses maximales. Et attendez, qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de me couper? Ouh là là, il y a hors-jeu là. Ok, ça va. Bon allez, va te bagarrer contre mon gobelin. Vas-y, va te battre dans la cage. Va te battre dans la cage si t'as pas peur. Tiens. Ah, ça fait mal quand même. Hein. Oh! Attendez, mais il en sort jamais? Les gars, si la cage ne meurt pas, le géant n'en serait jamais sorti. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Après, j'ai un peu l'impression de jouer avec la nourriture, les gars. Parce que là, franchement, Skylaze, sans aucune critique, j'aurais pu l'achever depuis bien longtemps. Mais il fallait que je teste cette cage. Et là, j'ai l'impression, et j'ai même la peur, que mes pensées se confirment. Méfiance. Méfiance, et alors là, plus que méfiance, parce que moi, quand même, j'ai vu un clip sur un MK, je me suis dit, Supercell. Non mais on sait, on a compris depuis le temps, les cartes qui sortent, elles vont être abusées. Alors non,
Là, vous me faites un procès que je ne mérite pas. Ah non, je ne dis pas que c'est pour que Supercell force à la consommation. Une consommation qui s'avère peut-être des produits qui ont une obsolescence programmée, entre guillemets, qui vont se faire nerf. Oui, je n'ai pas peur des mots. Et les gars, là, à un moment, là, ça commence à faire gros. Franchement, j'ai vu le clip, je me suis dit, il y a abus. Les gars, il y a abus. Mais bon, après, peut-être que cette carte est... Malheureusement, hein, j'ai souvent eu le nez creux. Voilà. À un moment, j'ai osé dire, avant de me faire défoncer en boucle, que le gobelin géant était une énorme fraude. Bah, les gars, j'ai l'impression qu'il m'a rendu la monnaie de ma pièce. Hein. Ça, je vous la ferai pas à l'envers. Mais après, je pense pas que ça arrivera à chaque fois. Voilà. Là, je pense que j'ai une analyse assez fine de la situation. Et la carte a l'air quand même forte. Parce qu'en vrai, de base, moi, je trouve que la cage gobelin... Vous voyez, c'est pas comme... je sais pas, moi. Je sais pas quelle carte je pourrais cycler, mais... cycler. Oh ! Oh, j'ai gobelin géant Evo, d'ailleurs. Ah, les gars, quand on parle du loup, on en voit la queue. Ça, c'est une certitude. Ça, c'est bien dit, ça. Ok. Oh, le deck. Oh, le deck qu'on a. Ah, le deck qu'on a, il est sportif, les gars. Le deck, et en parlant de sportif, et là, vous allez me dire, oui, nanana. Et trois quarts du temps, tu nous fais des analyses frauduleuses. Là, je vais vous dire... Là, je vais vous dire, je suis pas d'accord. Mais alors, détrompez-moi si je me trompe. Mais est-ce que je vous ai pas call en vidéo 24 médailles d'or de l'équipe de France? Alors là, un grand homme a dit, si nous ferions Paris-Marseille, nous serions à la moitié de Paris-Marseille. Là, je me suis rendu compte que je ne savais pas la ville qu'il y avait entre Paris et Marseille. Donc la citation ne marchait pas bien. Et bref, ok, on n'est qu'à la moitié. Mais les gars, on est presque à la moitié de la compétition. Donc en soi, le pronostic pour un nombre qui a quand même été donné au petit bonheur la chance, les gars, le pronostic est excellent. Et alors, j'avais budgété quelques médailles qui n'ont pas eu lieu, malheureusement, en tant que grand professionnel. Donc là, je suis encore en proie au doute. Mais vous inquiétez pas, tout vient à point qui sait attendre. What ? Il l'a chopé ! Il a sorti une tentacule ! Mais c'est quoi cette carte? Oh, j'ai cru. Les gars, il faut que je fasse un test pour la science. Ouh, est-ce qu'il peut choper le molos? Ouh, j'ai plusieurs tests à tester, les gars. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mais pourquoi je suis parti? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, mais il restait 20 secondes! Allez, cours, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de réfléchir. Oh là là, oh le bot. Les gars, on va vite collectivement oublier ce qui s'est passé. Oh, on va vite collectivement oublier ce qui s'est passé. On part dans la troisième game. Les gars, j'ai été défocus. En fait, c'est ça le problème. C'est que je parle tellement dans la vidéo que je peux pas... Les gars, je ne suis qu'un humain. Voilà. Alors là, tous les humains et même les meilleurs. Hein. Les gars, ça arrive même aux meilleurs. Tout le monde fait des erreurs. Voilà, Golem Elixir, je suis obligé de représenter. Je suis obligé de représenter ce parti historique de la chaîne majoritaire, ou peut-être pour plus longtemps, parce qu'il est très contesté actuellement. L'opposition essaye de monter au créneau. Bref. Ouh, alors là, je vais pouvoir faire un test pour la science. Non, mais c'est vrai qu'il y en a des fois. S'il y en a qui attendent du gameplay 100% tryhard sur cette chaîne, pour votre bien, trouvez-en une autre. Voilà, trouvez-en une autre parce que bon, c'est vrai qu'à 20 secondes de la fin, quand il y a un autobus qui arrive sur ma tour de gauche et que tu vois le mec molos fond de bab sur la droite, je dois te dire, lui, je sais pas ce qu'il me cook. Et là, je vais pas vous la faire à l'envers. C'était peut-être pas mon meilleur move. Alors là, directement, recrudescence de mousquetaire dans cette game, ça me paraît plus qu'inquiétant. Raté ça. Ouh, c'est raté ça. Oh, j'ai envie. Oh les gars, je peux pas, mais je suis obligé. Allez courez. Oh non, mais c'est pas possible. Mais les gars, soyez normaux. Voilà, ne serait-il pas... Ah non, je retire. Les gars, je retire parce que je suis en train de penser, c'est peut-être moi qui lui ai donné la foudre. Oh non, si c'est moi qui lui ai donné la foudre, c'est une honte. Mais ouais, mais en même temps, moi, instinctivement, je me dis quoi?
Le plus logique dans un combat du tirage, c'est quoi? C'est que la roquette soit opposée à la foudre. Donc je me dis, mince, mais pose-toi, je t'ai dit. My bad. Toutes mes excuses au gargouille, j'ai un peu haussé le ton, là. Les gars, j'ai un peu haussé le ton. Bref. Du coup, je me dis, la roquette, il a pas foudre. Voilà. Donc là, j'avais quand même une analyse assez poussée de la situation. Bizarrement, il a une foudre. Bizarrement, il a foudre roquette, mais ça les gars, on n'en parlera pas. Ça, j'en parlerai un autre jour. J'en parlerai dans ma prochaine conférence. Je vais pas trop lui rajouter de value, les gars. Les gars, on n'est pas né de la dernière pluie. Et Kelvin, là, il essaye de faire monter la température. Excellent. Alors là, ça, on me la fera pas. Alors, parce qu'en fait, les gars, explication de la vanne. En fait, Kelvin, ne serait-il pas une unité de température? Voilà. Alors, en plus, là, les gars, il y a tout sur cette chaîne. N'hésitez pas. Ah non, j'ai cru que j'avais posé les 3M. Bon. Oh oui! Oh le gobelin! Oh le gobelin qui sauve ma mousquetaire! Oh la preuve de sacrifice! Ça c'est beau! Quelqu'un qui veut gagner au péril de sa santé! J'avais pas vu les gars. J'étais en train de faire ma citation. Et voilà, ça c'est beau, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un like si vous voulez. Plus de culture! Parce que cette chaîne est avant tout une chaîne de culture, ça c'est une certitude, il y a 15 HP sur la tour. Donne-moi vite! Oh non, 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 non. Oh non, 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 pas comme ça, pas comme ça. Non, mais non, mais non, mais c'est pas possible. Mais non, mais bah oui, voilà, je voulais faire durer le plaisir. J'ai l'impression que je les ai pas encore assez vus, c'est... Attends, viens là, gargouille, gargouille, gargouille. Ok, let's go. Mon appel a fonctionné. Bon, où j'en étais, les gars, j'ai perdu le fil. Les gars, j'ai perdu le fil. Je vais les mettre corner. Les gars... Me dites pas oui, nanani, c'est pas une bonne idée, là, 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 je sais pas quoi. Oh non, 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 c'est horrible, c'est infâme. Oh pré-shot cochon. Je me permets. Voilà, j'avais tout de suite anticipé qu'ils allaient être fond de map. Ça, de toute façon, c'était vu et revu. Hein. Ça, on n'essayera pas de me la faire. Hein. Et voilà, et voilà, et voilà. Alors là, génial, là, directement. Qu'est-ce que je suis censé faire? Non, mais comment j'ai donné la game comme ça? Oh, fait un craquage, je sais pas, lui. Je peux rien mettre corner. Oh, c'est une folie. Oh, j'en perds mes mots. Ouh, ah, mais non, c'est débile. Oh, oh là, je suis obligé. Va dans la cage. Mais je retire, elle est pas forte, la carte, elle est... Elle est là, quoi. Elle est présente. Elle fait sa vie, hein. Non. Ok, je décide de faire le choix, de ne pas faire le choix. Je décide de ne pas défendre. Allez, le golem. Allez, fonce. Let's go. Double golem. C'est inarrêtable. Deuxième victoire en 3 games. On enchaîne directement dans la 4e game. Pour l'instant, tout roule sur des roulettes. Ok, 4e game. Le choix est dur. Les gars, le choix est dur. Vous savez quoi? Le choix est dur. Hein. Ça, j'ai l'impression que j'ai assez signifié. Ok, parfait. Et là, hop, tuto. Alors là, tuto pour ceux qui veulent réussir en tirage. Adaptez-vous. Voilà. Il faut... Le cerveau humain a une faculté exceptionnelle d'adaptation. Et également une faculté, et là, lien direct. Alors là, j'en demande à l'analyste. Les gars, il y a un analyste sur la chaîne. Ça, c'est une certitude. Qui se rappelle de tous mes faits et gestes pour voir si ce que je dis pas n'importe quoi. Et là, ça, il m'a fait le coup plusieurs fois. On a besoin de lui. Parce que le cerveau humain sait aussi se rappeler de ce qu'il veut. Donc là, je sais plus ce que je vous avais coupé. Je me rappelle plus de mon pronostic exact. Est-ce que j'avais dit 24 ou est-ce que je vous avais dit 35 médailles? Parce que là, j'ai l'impression que c'est peut-être mon cerveau qui est en train de me berner pour me faire croire que je suis un génie. La question se pose. Je vous avoue que ma mémoire n'est pas suffisante. Non, mais voilà, c'est ça le problème, là. Moi, je peux pas... Non. Non, pourquoi j'ai donné ce néant? C'est pas grave. Les gars, on va se relever. Le golem élixir me suit dans cette vidéo et je ne bouderai pas mon plaisir. Je ne dirai pas que je n'en veux pas. Mais alors, il va falloir qu'il prouve. Voilà, parce que moi... Je suis dans le challenge permanent face à mes cartes.
Voilà. Alors là, il n'y a aucune carte où je dis tout le temps, je la déteste, j'aime pas. Voilà, moi, c'est, voilà, non, non, même l'artificière, non, non, ce n'est pas mon genre. Les gars, alors ça, ça, vous ne pourrez pas me faire ce procès, hein, ça, ça, c'est une certitude. Oh, l'esprit de feu. Oh, l'esprit de feu sur la machine. Oh, oh là 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 là. Ah là, je suis en train de faire du grand art, là. Ok, je pense que le mieux, c'est de... Non, j'ai mis trop tard. Ok, ça va. Oh la roquette, là un truc. Oh, oh non, 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 j'étais obligé de la roquette, mais là, oh ça fait mal. Oh ça fait mal. Et ça va partir plus droit. Mais il a quoi? Il a quoi dans son deck que je peux enfermer dans ma cage? Y'a rien. Les gars, y'a rien. Non, non, je n'essaye pas de chercher des excuses. Ça, encore une fois, pas mon style. Voilà, non, alors là, pas du tout. Ok, je crois que j'ai le truc là. Ok. Temporise, dragon. Mais dragon, mais vie, bon sang, mais vie. Allez, cours, allez, cours. Allez, fais au moins ce choix. Fais au moins ce choix de dire oui à la vie, mais. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Non, mais non, bah oui, bah oui, bah oui. Eux, ils vont faire gauche-droite, les gobelins, là, on n'en peut plus. Les gars, c'est pas facile là. Là, ça commence à peser sur le mental là. C'est une folie, c'est une folie. Comment? Les gars, il me faudrait pas une roquette, il m'en faudrait deux, il m'en faudrait même peut-être trois. Je peux pas passer, c'est impossible. Il met super combat, les gars. Le fair play avant tout. Et on part dans la dernière game. Là, c'est la pression est à son comble. Alors là, jamais, jamais, au grand jamais, il faut que je perde une vidéo découverte, c'est pas possible. Surtout en tirage, non mais alors là, le niveau serait affolant. Là, je suis obligé de représenter le dart. Bon, bon, ça on a compris depuis le début. Et là, vous voyez, voilà, bien sûr, si je serais en pur tryhard, peut-être que le bullis, peut-être que les sapeurs auraient été des meilleurs choix. Mais je tente le beau jeu. Et alors ça... Ça, c'est beau. La roquette. La roquette. La roquette, j'en veux plus. Ah non, alors là, juger sur un seul coup, comme je vous ai dit, c'est pas mon genre. Mais la roquette, là, j'en peux plus. Là. Est-ce que je le roquette? Les gars, un jour, un grand homme a dit « Tout vient à point qui sait attendre. » Alors, attendons. Faisons le choix d'attendre. Ouh, ça c'est pas dans mes cordes ça. Ça je vous la ferai pas, ça c'est pas dans mes cordes. Oulala, oh oui. Allez, oh la défense. Oh c'est la pire défense. Oh mon dieu. Comment j'ai osé dire la défense? Oh là là, mais... Les gars, enlevez-moi la parole. Enlevez-moi la parole. Les gars, j'ai osé dire... Oh là 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 là, le truc qui va sur la tour. Oh, je regarde plus. J'ai osé dire la défense. En fait, dans ma tête, je me suis dit masterclass, j'ai tout calculé. C'est parfait. Alors, premier échec, la princesse n'a pas connecté sur la cage gobeline. Deuxième échec, les sapeurs n'ont pas connecté sur la cage gobeline. Troisième échec, la cage gobeline a été détruite. Oh non. Oh oui ? Il kidnappe la princesse ou pas? Oh, il kidnappe la princesse, c'est exceptionnel. Ok, masterclass. Non! Le sapeur, c'est pas possible. Oh, les gars, c'est dur. Oh, je suis sous golem d'élixir cimetière. Là, c'est pas facile. Là, je vous avoue, j'ai toujours dit que le golem élixir, il pouvait y avoir toutes les cartes dans le golem élixir. Peut-être un contre-exemple. Mais les gars, la cage gobeline se casse, la machine volante connecte sur le dart. C'était la pire défense de toute ma mémoire, les gars. J'imagine les pires défenses que j'ai osé faire dans ma vie. Les gars, il n'y en a pas une qui arrive à la cheville de celle-là. Et j'ai osé dire « Oh, la défense !» Oh, c'est une catastrophe. Les gars, j'y crois pas mes yeux, j'y crois pas mes oreilles. Non ! Le bouliste ! Lâche ça ! Mais il part où ? Mais il va où ? Et reste dans ton rôle. Allez, tiens, perds la tour. Oh, dis-moi qu'il va à droite. Allez, toi déjà ta princesse et ciao. Allez, double bouliste. Oui, bah. Bah voyons, double bouliste, let's go la roquette, jamais. Les gars, en toute objectivité, toujours sur cette chaîne, alors là.
Voilà, non, retourner ma veste ne fait jamais partie de mon caractère. Alors là, ça non plus, c'est pas mon genre. Let's go! Oh là là, le braquage de Zinzin, on finit donc en masterclass cette fin de vidéo. Braquage, 3 victoires, 2 défaites. On est en positif. Le ministre de la dernière game nous remercie bien évidemment. Masterclass, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous a plu. Franchement, la carte, quand j'ai vu sur le clip TikTok, ça devait être en x2. Parce que le mec, le MK est rentré dans la cage. Quand je vous dis qu'il a despawn en 2 secondes et qu'après est sorti de cette cage un gobelin plus que normal, je me suis dit, bizarre. Les gars, mur analyse de 5 secondes, je me suis dit, bizarre direct. Mais voilà, j'ai l'impression qu'elle n'est pas aussi belle qu'on a voulu nous le vendre. Donc en vrai, pour une fois, on ne critiquera pas Supercell. Alors ça se trouve, dans 3 jours, je vais vous présenter des decks avec la comment on appelle ça déjà? La cage Goblin, tous les jours, pendant 10 jours. Et je vais vous dire, c'est la meilleure carte de la méta. Mais bon, vu que j'aurai pas l'évolution, ça n'aura aucun sens. Mais de toute façon, c'est une habitude sur cette game, sur cette chaîne. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker la vidéo. On se retrouve dès demain pour la vidéo du jour. C'était Lalouzerty. À demain. Ciao !